Un grand regret, parce qu'on a toujours entendu des Sénégalais dire la politique n'est pas bonne, la politique n'est pas saine, et c'est à cause de ce comportement. Voyons un peu l'histoire de ces derniers. Il vient d'où? Ils viennent de très loin, du PS authentique. Ils ont navigué des océans. Ils n'ont rien trouvé au PS. Ils ont renversé leur chemise. Ils sont allés monter dans la barque de l'UCS. Ils ont pioché. Ils ont labouré. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont allés encore au niveau de la PR. Toujours à la recherche de ce qui n'est pas à eux. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Est-ce qu'ils n'ont pas été chassés d'ailleurs là-bas? Ils sont venus lorsque Ousmane Sonko a créé son parti. C'est des opportunistes. Très opportunistes. À la première heure, ils ont sauté sur l'occasion et prendre le parti à la vole avant que ça ne touche terre. Pour être les premiers ici à Ziguinchor. Ah oui. Ils prétendent avoir installé des cellules à droite, à gauche, au nord et au sud, et même dans le sous-sol. C'est bien. C'est ce que nous voulons. Mais pourquoi au moment des investitures, ils n'ont pas accepté la démocratie? Ils ont voulu d'autres règles qui ne sont pas avec la démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis comme condition, c'est nous qui étions les premiers ici, donc c'est nous qu'on doit élire. Mais attends, c'est pour cela que Ousmane Sonko a dit, nous ne voulons pas des comportements des autres partis politiques. Donc, l'expérience qu'ils ont prise dans tous les autres partis, ils ont venu avec, ils l'ont caché. Et au moment des investitures, ça a apparu. Vous estimez qu'ils ont été achetés? Mais pire qu'acheter, c'est eux qui sont vendus. Lorsqu'ils n'ont pas eu gain de cause au niveau du pasteur, et qu'ils avaient arboré les galons de coordinateur, des galons de je ne sais pas chargé de communication, je ne sais pas chargé de quoi, ils pensaient maintenant que c'est assez suffisant pour pouvoir le vendre. Ils sont allés un peu partout pour vendre cela, et finalement, je pense que le plus offrant, c'est peut-être la PR. Ils ont atterri là-bas et ils ont été accueillis avec presque toute la population de la PR pour montrer que ça c'est le pasteur. Mais dis donc, c'est ridicule. Ça ne perturbe rien, vous votre élan. Ça ne nous perturbe même pas. Au contraire, ça fait pitié que nous ayons des frères qui vont se vendre. On a aboli l'esclavage. Maintenant, c'est eux qui renversent la voie pour l'esclavage. Je me vends. Mais au contraire, ça a permis à des gens qu'ils avaient bloqués de venir. Ils nous ont emprisonnés, enfin. On voulait venir, mais à cause d'eux, on ne peut pas venir parce que vraiment, ils ne nous plaisent pas. Mais lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, à minuit, ils ont commencé à appeler. Ils ont dit qu'ils vont venir. Mais Dieu merci. Comment vous appelez? Je m'appelle le frère Bassel.